Now, drivers behind the line. One, deux, un, go! Bienvenue dans l'arène, c'est parti. L'équipe bleue choisit de shooter, puis de bouger, alors que l'équipe rouge a tiré sans bouger pour l'instant. Mighty Monkey Wrenches did a good job, still moving. And this is the tele-off period starting now. Good shot from Direct Current on the red wall. Le pointage est déjà de 34 à 27. Dans 3 cellules d'énergie, on va activer le premier niveau. C'est fait. C'est fait pour l'équipe rouge. Red Team has activated the shield generator. Mighty Monkey Riches is making strong noises, loud noises, and chooses to park. Du côté du mur bleu, on a Tornade qui s'est positionné pour tirer vers le outer cell, outer port, et c'est une réussite. Du côté rouge, Direct Current is still doing its thing. Très beau travail, beaucoup de mobilité dans ce match, notamment de Tornade. Brazilian Trailblazers is trying to block Robotronics. Tornade s'est déplacé très rapidement pour aller faire un sans faute dans le outer port. Le score est encore très serré avec 52 à 57 puisque l'équipe bleue a également activé le premier niveau de générateur de bouclier. Et nous entrons dans le 30 dernier seconde, fin du match. Les équipes vont maintenant essayer d'alimenter le générateur de bouclier en se stationnant puis en se suspendant. C'est déjà le cas de Brazilian Trailblazers, également les Carnica ainsi que Direct Current. Il ne reste plus que 9 secondes pour rejoindre le point de rendez-vous. Beau travail de Direct Current. On va voir si les Carnica arrivent à équilibrer ça. Brazilian Trailblazers a choisi de se suspendre. 56 à 57 pour l'instant sans le décompte final. L'équipe rouge qui remporte la partie avec 87 à 61. Une très belle fin de partie. Very nice end of the game with 30 points. Donc 2 points de classement supplémentaires pour les